Bonjour à tous, bienvenue à Macla, dans mon petit village que vous voyez là, voilà. Ce matin il pleut et ça fait du bien car on a eu très chaud tous ces 2 mois. Et puis là, je vous présente, enfin terminé, mon nouveau bébé, le Volantex 2400. 2m40 d'envergure, avec ma décoration un peu perso, donc j'ai rajouté des petites couleurs perso, le bleu de France en bout d'aile sur les saumons, sur les winglets, petite décoration perso que j'aime bien, voilà, c'est assez sympa. Alors, j'ai fini ce matin l'installation de toute la partie électronique, j'ai installé le récepteur avec un gyroscope, je l'ai mis le plus proche du centre de gravité qui se trouve à peu près ici, donc voilà, il est le plus proche possible, avec l'antenne qui sort à l'extérieur. J'ai rajouté un petit tube pour la tenir. C'est juste une qu'on met sur les seringues, voilà, que vous achetez en pharmacie. C'est le petit capuchon que j'ai fixé pour faire passer ma petite antenne. Voilà, j'ai réglé tous mes servos. On va faire une petite démo. Je vais vous faire une petite démo. Voilà, j'avais une petite alarme en fait parce que j'avais une petite alarme sur ma radio. Parce qu'en fait, j'avais le petit joystick qui est destiné à la coupure du moteur qui était activé. Donc voilà, là le planeur est complètement prêt à décoller, mais on va pas le faire dans l'appartement. Voilà, on va commencer par le moteur. Donc le moteur, si je mets le moteur, vous voyez, rien ne se passe. Par contre, si j'active le blocage du moteur, le déblocage du moteur, ah, je commence à devenir bon pour la programmation. Ok, donc j'ai programmé les flaps, les volets atterrissage et les volets pour augmenter la portance. Voilà, mes ailerons. Mes ailerons, ma dérive et mon merde, je ne me rappelle plus le nom, enfin pardon, la profondeur. Voilà. Les ailerons, la profondeur, la dérive, les flaps. Tac, en position, neutre, moyen, neutre, moyen, et à fond. On remet le moteur. Ben voilà, ça y est, petit, mon tout nouveau bébé. J'espère, voilà, j'ai essayé de régler le plus possible les dépassements. Ok. Voilà, avec la petite, le récepteur qui est un gyroscope. Donc j'ai étiqueté tous mes fils. Voilà, que vous voyez. Je ne sais pas si vous voyez bien. J'ai étiqueté tous mes fils. Le récepteur est scotché avec un double face 3M super costaud, le plus possible près du centre de gravité. J'espère n'avoir pas fait d'erreur. Batterie, il me reste plus qu'à tester le centre de gravité. Et puis voilà, puis le premier vol peut-être bientôt ou au mois de septembre avec Damien dans la Bretagne.
Je voudrais qu'il me le teste. Je voudrais que ce soit lui qui le teste. Hein. Parce que voilà. Parce que je veux que ce soit lui qui le teste. Hein. Bisous, ciao, ciao. Je vous embrasse. On baisse la main. Hop. Bisous, ciao, ciao.